Eh bien salut tout le monde, c'est Sapeu, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Je pense que je vais mettre sur Sapeu 2, genre de vidéo que j'ai jamais trop fait. Mais je vais essayer de faire un espèce de tuto sur la classe CRA, mais surtout pour donner des petits trucs et astuces, les choix des variantes, les caractéristiques, les machins. Les stuff, en vrai, c'est pas le plus important parce que, quel que soit vos stuff, vous pourrez à peu près reproduire les trucs. Je précise déjà, si vous êtes un gros joueur, vous avez poncé le jeu, vous faites un max de colis, machin, je pense pas que la vidéo vous sera très utile puisque vous devez déjà quasiment tout connaître ce que je vais dire, mais la vidéo est plus destinée pour soit les débutants, soit les joueurs casu qui jouent en mode chill et qui veulent un petit peu progresser ou quoi. Mais en gros, voilà, si vous êtes un gros joueur et tout, je pense pas que ça serve à grand chose pour vous. Après, vous pouvez toujours rester, peut-être vous allez apprendre quelques trucs, mais je suis pas sûr. Puisque là, je fais la classe CRA parce que c'est une classe qui est énormément jouée. C'est vraiment la classe de base en mode ouais, qu'est-ce que je fais sur Dofus? Je vais faire un archer, hop, le CRA, tu vois, c'est comme avec les hop, c'est les deux classes les plus jouées, donc c'est pour ça que je commence par CRA. Voilà. Donc bon, je montre le stuff rapidement, mais on s'en fout un petit peu en fait, puisque là je vais le montrer pour les cratères, mais vous pouvez à peu près reproduire pour quel que soit votre élément. Si vous jouez Kra'o et tout, je vous donne des trucs. Voilà le stuff, mais je sais que le stuff coûte très cher. Si vous n'avez pas ça, c'est pas grave. Si vous avez pas beaucoup de kana, ou vous faites une panneau brousse avec une capologie ou quoi, c'est vraiment très solide et ça coûte vraiment pas très cher. Voilà. Mais moi j'ai utilisé ce stuff là parce que c'est un très gros stuff. Et puis pour les colis, enfin, si je vais faire un colis après en 3v3, si j'ai pas un stuff comme ça, je pourrais pas gagner parce que je vais être dans des combats où les mecs sont assez forts. Donc je suis obligé d'avoir un très gros stuff quoi. Voilà, bon, on s'en fout un petit peu. Pour les stats, moi ce que je fais ça pour tous mes persos, il y en a qui seront peut-être qui vont pas faire pareil, mais moi ce que j'aime bien quand je joue mono élément, c'est juste plus 450 dans l'élément et plus 545. Pour avoir quand même un bon pool d'HP, tu vois. J'avais même peut-être mis plus avant, mais bon, je trouve ça pas mal. Tu peux mettre plus, hein, si vraiment tu le sens. Tu peux mettre 600. Il y en a beaucoup qui font ça. C'est vraiment au choix. Là, honnêtement, en vrai, je peux laisser comme ça sur Crash. Je trouve que 4400, ça reste OK. Mais c'est à vous de voir. Si vous avez moins de vita sur votre stuff et tout, je vous conseille en gros d'avoir 4300, 4400 de vita minimum. Si vous avez moins, vraiment, tout le monde va vouloir vous focus. Enfin, je parle en 3v3. C'est vrai que là, j'ai pas précisé, mais on va surtout parler de 3v3. Peut-être un peu de 1v1 aussi. Enfin voilà, mais PVP, hein, en PVM, je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin de tuto, tu sais taper sur les mobs quoi. Voilà, après c'est vous qui voyez, mais je vous conseille 4400, 4300 vita minimum. Là je pense que je peux mettre 600, mais en tout cas, moi j'aime bien mettre 450. Les deux sont faisables honnêtement, parce qu'il y en a souvent qui me demandent comment il faut répartir les stats. Bon, je pense que la plupart le savent déjà, mais si vous êtes peut-être débutant, il y en a qui ne savent pas, et voilà. Si vous êtes haut, évidemment, vous faites pareil avec la chance, etc. Pareil pour la voie R et la voie. Franchement, les quatre éléments sont jouables sur les crasses, ça qui est cool. Bon, au niveau des variantes, là pour cratère, on va choisir la concentration puisque ça va être un très gros sort très utile qui va se combiner avec la balise tactique pour décaler un ennemi et du coup le mettre en ligne de vue. Ça peut aussi te permettre de détacler si tu es dans une situation où tu es taclé par un sacré ou je sais pas, enfin un sacré, n'importe quelle classe en fait, on s'en fout. Si tu es taclé, imaginons là je suis taclé, hop, je mets ma balise. Je fais une petite constante et je suis détaclé. Ça arrive, hein, des situations où tu ne peux pas détacler autrement que comme ça. Sinon, la balise, comme je disais, elle va servir à. Si j'ai pas la ligne de vue, bon là j'ai la ligne de vue, mais imaginons que je ne l'ai pas. Tu mets ta balise, tu concentres dessus, tu décales la cible et après tu peux le fumer avec ta pupu. Ça, voilà, hein, c'est pour ça que je disais, si vous êtes un gros joueur, tout ce que je dis là, vous vous dites, bah c'est évident. Mais il y a des joueurs pour qui c'est pas évident. Hein, il faut penser à tout le monde. Hein. C'est vrai que si vous regardez toutes mes vidéos, je pense que ce genre de truc-là, vous le savez déjà. Mais bon. Ensuite, et ça, franchement, la concentration sur toutes les voies, c'est conseillé, quoi. À part peut-être la voie R ou flèche magique est peut-être mieux. Et encore, concentration est quand même mieux en général pour ce petit côté placement. Ensuite, là, bon, je suis en mode terre, donc je vais mettre l'érosive. Mais sur les autres voies, à vous de voir, mais je pense que la flèche de recul est cool. Si vraiment vous avez besoin d'éroder, il faudra l'érosive. Mais sinon, là en mode terre, évidemment, je mets ça. Ensuite, Dispy et Représailles. Bon, évidemment, moi personnellement, je trouve la Représailles beaucoup mieux. En 3v3, ça te permet de corrupt un ennemi, mais complètement. Hein, tu fais ça sur un Xelor, un Sacri, et le mec il passe son tour. Faites attention là, sur certaines classes, c'est pas très utile. Type Ossa, Représailles un Ossa, c'est pas ouf. Après, des fois, ça peut quand même sauver, mais en général, c'est pas incroyable. Pareil sur Sadie, des fois, c'est pas insane. Après la Dispy, honnêtement, elle est jouable, mais surtout en 1v1. Bah, typiquement, si tu joues contre Ossa en 1v1, je pense que tu peux te passer de la représailles. Mais globalement, dans 95% des cas, la représailles c'est conseillé. Il faut jouer avec parce que c'est trop important, surtout en 3v3. Le sacri va co-op un mec, il va être à côté de toi. Bah, toi, tu dois répondre par une représailles directe. Genre, c'est obligatoire. Un conseil aussi, si vous jouez en nébuleux, si vous êtes un cratère.
les représailles et essayez de les mettre si possible dans les tours paires, donc les tours où vous avez le bas nébuleux, puisque quand vous aurez le haut nébuleux, ça sera mieux de full burst, donc d'utiliser tous vos sorts de rocks. Voilà, voilà. Bon, ensuite, ça c'est des sorts, on s'en fout un petit peu, j'ai mis la glacée, mais on s'en fout un peu. Là, entre enflammée et répulsive, là je parle vraiment pour la voie terre. C'est vrai que c'est un peu compliqué de faire un tuto pour tous les éléments, enfin ça prendrait 50 ans. Donc là, ça sera plus pour cratère, honnêtement, mais vous inquiétez pas, je parlerai un petit peu des autres voies quand même en speed. Bon, là, on s'en fout un petit peu. Je pense que vous êtes sur la voie feu. Si vous jouez avec du retrait PA, là par exemple, t'es vraiment sympa pour la zone. Et sinon, l'enflammée, les deux sont bien. Franchement, là, il n'y a pas de gros choix de fou à faire. Donc là, tir éloigné et acuité absolue, c'est assez logique, mais ça va dépendre des maps en gros. C'est vraiment un choix qui se fait sur la map. Ou s'il y a une compo qui a beaucoup de retrait PO en face, faites attention. Si vous jouez contre un Inutroph en 1v1, le tir éloigné c'est quand même conseillé parce que si vous mettez la clé réduite, vous allez bégayer quoi. Mais typiquement, vous jouez contre un Yop, bon, tir éloigné, tu t'en fous si la map est corps à corps, tu vois. Donc ça, c'est vraiment le choix que vous allez faire en fonction des maps. Et des adversaires aussi. Si vous jouez contre 3 mecs qui peuvent retirer de la portée, faites attention de si vous avez acuité, vous allez peut-être pas avoir assez. Mais si vous jouez contre aucun adversaire qui retient de la portée et que la map est pas très grande, acuité absolue, c'est vraiment super bien. Ça vous permet de mettre votre gros tour nébuleux facilement si vous n'avez pas de ligne de vue ou quoi. Donc c'est vraiment à vous de voir en fonction des combats. Je peux pas trop vous aider plus que ça. C'est à vous de faire le bon choix. Donc là, c'est un bon choix si vous jouez sur la voie haut entre les deux. Si vous jouez en nébuleux, peut-être l'Expia. Franchement, je sais pas, les deux sont bien. Avec un nébuleux, peut-être l'expia peut être sympa si t'arrives à la caler une grosse expia tour 5, ça peut faire la diff, mais je suis même pas convaincu à 100%. Ou même, peut-être même pas si tu mets une expia tour 7, mais tour 7 c'est un peu tard quoi. Les deux sont bien. Donc là, une variante intéressante, top et écrasante, c'est pareil, ça va dépendre vraiment de vos adversaires. Si vous êtes en 3v3, vous jouez contre Xelor, Sacri, Yop, les trucs comme ça, c'est super bien l'écrasante, tu peux complètement niquer un tour à un adversaire. Mais typiquement, si t'es en 1v1 et que tu joues contre un Inutroph, bon, bah l'écrasant, tu t'en fous un peu, tu vas plutôt mettre l'œil de taupe. Ça, c'est vraiment à vous d'analyser en fonction de votre adversaire. C'est à vous de... Enfin, voilà, peut-être au début, vous allez faire l'erreur de ne pas mettre le bon sort si vous êtes débutant. Mais au bout d'un moment, vous allez capter. Vous inquiétez pas. Quand vous allez vous grailler un Xelor qui vous one-shot, vous allez vous dire « Ah ouais, faudrait que je mette écrasante en fait. » Et c'est vraiment un très bon sort. Un conseil aussi pour caler votre écrasante. Si vous n'avez pas de ligne de vue, vous pouvez utiliser la balise. Bah tiens, je vais vous montrer. C'est assez évident aussi, mais on sait jamais, il y en a peut-être qui sont pas au courant. Imaginons, tu vois, là j'ai peut-être pas de ligne de vue. Attends, je vais voir un petit peu. Là, je crois que j'ai pas de ligne de vue, si j'ai une ligne de vue, mais bon, on va se mettre là. Voilà, là c'est bon exemple. Là, imaginons, j'ai plus de PM, tu vois. J'ai pas la ligne de vue, là c'est le Xelor. Comment lui mettre l'étape pesanteur? Tu vas mettre ta petite balise tranquillement. Bon, j'ai pas mis l'écrasante. Mais bref, l'écrasante, c'est une zone en croix, là, comme ça. Et du coup, tu mets l'écrasante en ciblant sur la balise, et comme ça, tu mets le pesanteur. C'est logique, mais il y en a peut-être qui sont pas au courant. Pensez à ça, hein, c'est des petits détails qui peuvent vraiment vous carrer des combats. Bon, j'ai mal montré l'exemple parce que j'avais pas le sort, mais t'as compris. Tu comprends le projet. On en était où? Écrasante. Le tir critique et balise de rappel. Alors, si vous jouez à un mode qui est pas du tout basé sur les coups critiques, je pense à la voie R. Tir critique, tu t'en fous complètement. Balise de rappel, c'est vraiment super bien. Moi, là, je joue tir critique parce que j'ai un mode qui est basé sur les crits, mais franchement, tu peux même jouer balise de rappel. Et même en 1v1, je pense que balise de rappel, c'est même quasiment obligatoire. Mais en 3v3, moi je me permets de jouer tir critique parce qu'il n'y a pas trop de problèmes. Mais balise de rappel, c'est super bien. Franchement, les deux balises sont vraiment conseillées. Je sais que la plupart des cras en mode casu débutant, ils sont en mode bah vas-y, fuck les balises, ça booste et tout, c'est trop bien. Mais des fois, bah en fait, le fait d'avoir une balise, ça va te permettre de taper plus fort parce que justement, tu auras la ligne de vue. Et si tu avais pas, si tu avais tir puissant mais que tu n'avais pas la balise, bah tu pourras peut-être pas taper. Donc au final, en fait, faut se dire que la balise, c'est comme un sort de boost, en gros. Si vraiment, t'as du mal à comprendre ça, c'est que si t'as pas la balise, t'as tir puissant, ok, c'est cool, tu vas être boosté. Mais si tu peux pas avoir la ligne de vue sur ton adversaire, parce que c'est un peu la base, hein, l'écras, d'ailleurs, je l'ai peut-être pas dit, mais la base, c'est d'avoir vraiment votre ligne de vue sur le mec que vous voulez fumer, tu vois. Et il faut avoir un maximum d'outils qui vous permet d'avoir les lignes de vue. C'est pour ça que tir puissant et tout, c'est super bien, hein, 250 puissance 3 tours, c'est génial. Mais si tu peux jamais taper parce que t'as ça, bah non, justement, c'est pas ouf. Donc je déconseille fortement tir puissant. Enfin, je sais que le sort est bien et tout, mais je déconseille, à part des cas très précis où vous savez que la balise, il n'y aura pas besoin, je déconseille fortement tir puissant. La balise, elle sert à trop de trucs. Elle sert à décaler avec flèche de repli, concentration écrasante. Enfin, c'est trop utile. Même ça peut, tu peux te caler derrière une balise pour pas avoir, pour être caché derrière, derrière une entité et pas être en ligne de vue, par exemple. Enfin, c'est vraiment trop utile. Donc pour moi, c'est vraiment important de sacrifier ce sort qui est vraiment bien, mais pour mettre un sort meilleur, quoi. Bon, ensuite, flèche d'immo, flèche assaillante. Bon, ça, si vous êtes sur la voie haut, flèche assaillante, c'est vraiment un sort incroyable. Mais là, vu que je suis en mode terre et en plus, j'ai un mode qui retire des PM, flèche d'immo, je le mets et ça me permet de déloc l'ivoire et de retirer des PM, c'est très bien.
Mais ça dépend de vos modes. Honnêtement, c'est un peu du cas par cas, quoi. Bon, là, je joue sur la voie terre, donc. Alors, ouais, je vois des cratères qui jouent avec ça, la flèche du jugement. Pourquoi pas, mais c'est quand même pas conseillé, c'est un peu trop galère à placer et tout. Franchement, une bonne vieille flèche punitive, ça fait vraiment l'affaire. Tous les 2 tours, tu mets des gros tours de burst, et quand t'es dans le creux de la pupu, tu fais des petits tours placement, des petits tours représailles, des petits tours retrait PM avec la flèche empoisonnée et tout. Enfin, vous allez voir le gameplay après, mais c'est vraiment le gameplay crasse, c'est pas compliqué à comprendre. Hein. C'est, vu que tu joues en nébuleux, en plus, c'est tour impair, tour nébuleux, bah tu tapes. Et les tours où t'as pas le nébuleux, tu mets un petit peu de retrait, tu fais un peu de contrôle, comme on dit. Je sais pas, tu fais du placement, tu mets ta représailles, tu fais de l'état pesanteur, etc. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a Donc ça, j'en ai déjà parlé. Flèche harcelante, bon. À part si vous jouez un gros mode air et que vous voulez taper fort avec ça, mais c'est pas conseillé. Même sur la voie air, en fait, c'est pas ouf, ça sort, il est trop galère à placer. C'est vraiment dur à placer. Flèche masse 50, c'est un sort PVM, ça, honnêtement. Même harcelante, en fait, en voie air, harcelante, il va être bien parce qu'il vous permet de placer les bennes sur la cible que vous voulez super facilement parce qu'il n'y a pas de ligne de vue. Après, même ça, sur la voie terre, peut être utile. Ça peut te permettre de débloquer un ivoire d'un adversaire qui est pas en ligne de vue, donc je vous conseille. Bon, là, je joue mode terre, donc la flèche empoisonnée est vraiment conseillée. Par contre, si vous jouez pas, si vous jouez en 3v3 et que vous jouez pas terre, la flèche curative est vraiment bien. Par contre, en 1v1, flèche curative, quasiment aucun, même aucun intérêt du tout, puisque bah, tu vas soigner personne, hein, t'es tout seul. Donc, si vous êtes en 1v1, même si vous jouez pas terre, mettez empoisonné direct. Hein. Je passe beaucoup de temps sur les variantes, mais bon, c'est pas grave. Tu sais quoi, le tuto sera long, tant pis. Sera pour les débutants, il n'y a pas de souci. Je vais prendre mon temps, pas grave. Parce que je me dis, ça va peut-être être un peu long, mais vas-y, c'est pas grave. Au moins, j'explique pas mal de trucs, je pense que c'est bien. Bref, persécutrice et tyrannique, ça, c'est un peu du cas par cas. Si vous jouez un gros crado crit, machin, bon, je déconseille, les modes de crit, c'est pas ouf en PvP, mais bon. Au cas où vous avez que ça, pourquoi pas. Mais bon, et après, si vous jouez un gros mode air, franchement, c'est un peu sous-côté, mais ça, c'est pas mal. Hein. Donc, ça, c'est un peu à vous de voir. Honnêtement, il n'y a pas de règles précises. Là, pareil, flèche destruite, tir de barrage sur la voie terre. Moi, je préfère barrage. Ça te permet de faire du placement qui est assez important. Tu peux pousser un mec pour l'éloigner de toi. Tu peux le mettre dans les murs de bombe, par exemple. Tu peux le pousser dans un portail. Enfin, tu vois, le petit effet secondaire est sympa. Même si l'effet secondaire de destructif, c'est cool aussi. Je préfère le barrage perso. Après, si vous kiffez Destru, mettez Destru. C'est pas un gros scandale si vous avez Destru du tout. Hein. Même les deux sorts sont bien. Abso et Dévorante. Alors bon, là c'est purement un choix de la voie R. C'est un peu comme vous le sentez aussi. Moi j'aime beaucoup Dévorante, ça fait très mal. Si vous jouez avec un nébuleux, il y a moyen de faire du très très sale avec Dévorante. Mais si vous kiffez la. En fait, c'est pour les bas niveaux, typiquement Abso, c'est trop bien. Parce que tu vas spammer Abso x2, t'auras du vol de vie. Mais niveau 200, c'est pas pareil. Donc ça, c'est à vous de voir aussi. Entre flèche cinglante et repli, je recommande fortement repli sur la plupart des modes. Ça coûte 1 PA, ça te permet de prendre de la distance avec ton opposant, quoi. Si t'es en 1v1 contre un Yop ou quoi, tu veux t'écarter à tout prix, bah repli c'est parfait. Parce que tu vas me dire, cinglante ça fait pareil, mais ça coûte 2 PA, quoi. Et puis même, ça te permet de détacler avec 1 PA si t'es taclé et que t'avais une entité dans ta ligne et tout, c'est vraiment trop bien. Repli c'est trop bien. En plus, tu peux lancer le sort 3 fois par tour. Bon, tu peux pas lancer sur 3 fois sur la même entité, mais 3 fois par tour c'est vraiment excellent. Après, cinglante, c'est pas injouable. Hein. Si vous avez à tout prix besoin d'erroner dans un combat, cinglante, ça se sort. Mais je préfère repli perso et je vous conseille repli aussi. Surtout si vous jouez avec les balises, en fait. À la limite, si vous jouez avec les tirs puissants et tirs critiques, pourquoi pas jouer avec cinglante, mais je conseille pas de faire ça, honnêtement. Ah bon, ensuite, ralentissante et percutante, franchement, mettez percutante. Ralentissante, c'est pas viable, à part si vous n'avez pas de niveau 200, mais enfin. Dès que vous avez percu, mettez percu, c'est trop bien. Surtout si vous jouez avec les balises. Hein. Encore une fois, les balises, c'est à ça que ça sert. Hein. C'est pour les percus aussi. De toute façon, vous avez déjà vu des crapauds avec les percus, c'est vraiment fumé. Donc go direct, toi. Bon, là, entre les deux sorts, c'est typiquement bah, si t'es terre, tu mets ça. Si t'es air, tu mets ça. Enfin, voilà, il n'y a pas de débat. Sur la voie feu, perso, je préfère fulminante. Après, je sais qu'il y en a qui aiment bien flèche explo, mais sur la voie feu, je préfère fulminante. Il y a moyen de faire des. En fait, surtout en 3v3, t'as moyen de faire des grosses zones fulminantes qui sont super intéressantes. Et là, maîtrise de l'arc et sentinelle, c'est pareil. Il y a certains modes où la sentinelle va être très bien, typiquement la voie R. Si vous jouez avec Dévorante, sentinelle c'est vraiment très bien. Il y a moyen de faire un tour de burst, mais monumental. Pareil sur la voie feu nébuleux. Tu fais une sentinelle, tu fais une grosse fulminante si tu as une zone et tu vas vraiment faire le ménage. Donc les deux sorts sont viables. Pour le coup, il n'y a pas de honte à jouer sentinelle du tout. Le sort est vraiment bien. En plus, il te donne 6 PO. Donc il y a un combo qui est sympa à faire, c'est sentinelle plus. Acuité absolue, puisque acuité absolue, bah t'as pas forcément beaucoup de PO parce que t'as pas tiré éloigné, mais tu fais acuité absolue, tu fais sentinelle, et après tu fais un gros sort de rocks.
C'est un combo qui peut être sympa et c'est un combo qui peut être bien aussi si tu, dans ta team, tu as une classe qui te donne 2 PA, puisque ce combo-là te coûte 6 PA, tu vois, ça coûte un peu cher. 6 PA, ça fait mal. Mais si tu es avec un Nenni, imaginons que tu as 13 PA, tu fais 6 PA, après il te reste encore 7, tu peux encore faire 2 sorts et les sorts vont faire extrêmement mal parce que 30% de dommages finaux, c'est juste énorme. Hein. Si vous avez un nébuleux en plus, vous êtes sur du 50%, enfin c'est vraiment énorme. Donc c'est jouable. Mais maîtrise de l'arc est bien. Alors, la maîtrise de l'arc, si vous jouez avec des percutantes, des machines comme ça, c'est bien. Et moi, je l'aime bien aussi. Pourquoi? Parce que je joue avec un Dofus Ébène. Et du coup, bah, flèche empoisonnée plus Dofus Ébène, ça va augmenter plein de petits dégâts de poison. Et là, c'est très violent. Alors, voilà pour les variantes. Ça a pris du temps. Mais au moins, je pense que j'ai bien tout expliqué. Je pense que maintenant, on va juste faire un petit 3v3. Et je vais dire un petit peu pourquoi je me place là, pourquoi je lance tel sort, machin chouette, comment on fait les combos. Et ça, pour le coup, ça va pas dépendre vraiment du stuff. Hein. Ça, que quel que soit votre stuff, même si vous avez un stuff un peu nul et tout, en tout cas si vous jouez terre, là je vais vous montrer avec un cratère, mais même si vous avez un stuff qui est beaucoup moins bien que celui-là, ça sera globalement la même chose. Hein. Ça sera à tel moment faut se booster, à tel moment faut faire attention. Alors après. Faudra pas faire la même chose à tous les combats évidemment, hein, ça dépend des adversaires, mais je peux pas montrer pour absolument toutes les situations possibles, c'est pas possible, ou alors faudrait une vidéo qui dure 10 heures environ, même peut-être plus. Parce que Dofus c'est un bon jeu où qui est bien complet, donc il y a plein de situations différentes. Mais je vais vous montrer un exemple, ça peut vous aider un petit peu, je pense. Bah écoutez, je go lancer un petit 3v3 et puis on voit ça. Allez, on est parti pour le combat. On va essayer de gagner, hein. C'est pas free. Bon, on a une bonne compo, hein. On a Sakri et Ossa. En fait, c'est assez solide aussi. Eni et Lio, c'est un bon duo. Je pense que Sakri et Ossa, c'est quand même au-dessus. Bon, là, on va jouer avec Taupe parce qu'il n'y a pas besoin de l'être apesanteur. Et on va jouer tir éloigné parce qu'on peut perdre de la portée par l'héliotrope et le Kra. Mais si j'avais joué contre un Sakri, typiquement, j'aurais mis l'écrasante, tu vois. Ok, bon, normalement, on a l'ignée moyenne quand même. Donc, je vais me placer assez devant. D'ailleurs, il y a un truc que j'avais pas dit, mais essayez d'avoir beaucoup d'initiatives sur vos stuff. C'est vraiment pas mal, vraiment. Surtout si vous jouez en nébuleux, là, le tour 3, c'est vous qui jouez le premier, c'est vous qui allez enclencher quelqu'un le plus vite, tu vois. Donc là, bon, je vais tirer éloigner mon Sakri, sûrement, mais en vrai, le Sakri n'a même pas besoin de portée. Donc c'est bien de connaître les classes avec lesquelles vous jouez, parce que typiquement, si je tombe avec, je sais pas moi, un Hyper Mage, il aura besoin de la portée, un Sakri, en vrai, on s'en fout. Hein. Si vous lui filez pas la portée, il n'y a aucun problème. Bon, là, je pense que je vais lui filer, comme ça, je m'exposerai moins, et j'ai une bonne diagonale sur ce Kra. Donc on va juste tirer éloigner. Hop, on va à flèche d'Imo. Donc là, on tape un mec, en vrai, n'importe. Là, je tape le Kra, mais j'aurais pu faire tir sur les lieux aussi. Bon, juste que lui, il est plus facile à choper en ligne de vue, donc j'ai même pas besoin de claquer ma balise. Je vais m'en empoisonner. Et la pupu. Vraiment, l'objectif de votre tour 1, c'est. J'ai terminé là, je pense. C'est de caler une empoisonnée et une pupu. Donc là, je vais là pour essayer d'être un peu moins en ligne de vue. Tu vois, les lignes de vue sont plus galères à prendre sur moi. N'hésitez pas à cliquer sur votre sort pour voir les prévisuels de ligne de vue, comme ça vous savez où les mecs peuvent vous toucher ou pas, tu vois. C'est des trucs qu'il faut prendre, surtout en Kra où les lignes de vue sont super importantes. N'hésitez pas à spammer enfin, en appuyant sur vos sorts et vous regardez un petit peu où vous avez les lignes de vue et tout. Là, tu vois, je sais que j'ai une ligne de vue ici et tout. Après, bon, c'est bien d'apprendre ces lignes de vue par cœur, mais c'est pas toujours possible. Des fois, t'as des doutes et tout, bah n'hésitez pas à faire ça. Là, typiquement, je sais que je suis assez safe dans une grande zone, tu vois. Il n'y a personne qui peut me toucher là, dans une grande zone. Si j'avais fini là, le Kra aurait pu avoir la même diagonale que moi, donc c'était pas ouf. Le placement, c'est super important dans Dofus. Hein. C'est ce qui ferait la différence entre un joueur OK et un bon joueur, quoi. Donc voilà, le tour 1, sinon, l'objectif, c'est de caler une empoisonnée et une pupu. Si vous jouez Moter, évidemment. L'empoisonnée fait vraiment super mal. Là, le Kra, on lui a déjà mis beaucoup de dégâts. Bon, ça va, ils ont de la chance. Ils ont un petit énergie, ça. Donc ils vont pouvoir soigner un petit peu les dégâts que j'ai mis. Mais s'il n'y a pas de soin en face, déjà, tu mets autant de dégâts que ça. Enfin, on ne se rend pas compte, mais là, j'ai mis une pupu à genre. 400 je crois. Ouais, mais j'ai mis 600 et l'empoisonné, on la verra plus tard, mais ça va taper du 400 environ, quoi. Donc en gros, c'est un tour 1 à moins 1000 et en même temps, je lui ai retiré 4 PM. Bon, ça, c'est un truc un peu précis avec mon stuff, parce que j'ai un stuff qui est à 70 de retrait. Vous aurez peut-être pas un stuff avec autant de retrait, mais même. Et le retrait passera de temps en temps de toute façon, donc c'est forcément bien. Donc là, Lenny est sympa, il le debuff l'empoisonné que j'avais mis, c'est mignon. Il a complètement raison, c'est bien joué de la part de Lenny. Et il va booster sa team. Donc c'est pour ça, leur compo, elle fait un peu peur. La note est vraiment solide, hein. Mais leur compo peut faire peur, il y a beaucoup de dégâts et c'est pour ça que bon là mon pre-tech me met bien. Je pense qu'il n'y a pas grand monde d'entre vous qui aura un pre-tech, mais bon, si vous avez un pre-tech, faites-vous plaisir quoi. Parce que le pre-tech c'est quand même vraiment pas mal. Bon, le tour 2 qui va arriver, je vais essayer de me booster et peut-être mettre une œil de taupe sur le crâne en face, comme ça il aura un tour avec un peu moins de portée, mais bon, c'est pas obligatoire parce que de toute façon je pense que je vais tirer éloigné dans tous les cas, il aura assez de portée, mais. Pourquoi pas? De toute façon, l'écrasante dans ce combat est quasiment inutile, donc vaut mieux jouer avec l'œil de taupe, ça pourra servir plus tard.
Si j'arrive à zoner avec l'héliotrope, ça peut être pas mal, honnêtement. C'est vrai qu'il y a le nerf de l'œil de taupe, ça fait un moment déjà, mais ça fait quand même mal. Donc voilà, il prend l'empoisonné à moins 400. Donc bon, là, heureusement qu'il y a son ennemi, parce que s'il n'y avait pas son ennemi, il avait que 3000 points de vie. Hein. Son ennemi l'a soigné, il lui a filé des boosts et tout, mais heureusement. Mais c'est pas grave, hein. Nous on fera mal au tour 3, on pourra peut-être éroder un petit peu avant, on verra. Donc là, attention. Ah bon, ça c'est pas ma faute, mais ils vont se prendre du retrait PA en zone, puisque là, il va faire une flèche paralysante parce que c'est un crâne retrait. Donc assez relou, mais bon, ça c'est pas ma faute, moi j'ai pas fait de zone. Et ils prennent moins 4 en zone et ils vont prendre encore moins 3 avec la balise. Là, clairement, ils vont tous avoir 0 PA quasiment. Enfin, ils ont pas très bien géré leur placement, honnêtement. Le sac à 4 PA, l'autre quand on a 7, c'est pas ouf. Mais bon, on s'en fout un petit peu. En vrai, même si on parle de combat, on s'en fout. Ce qui compte, c'est comment on joue nous avec notre crâne. Donc là, je vais me booster tranquillement. Donc bon, comme je disais, je peux essayer une œil de taupe. On va essayer de faire ça. Et là, je vais relancer mes empoisonnés puisque Lenny avait des buffs. Donc je lui relance mon empoisonné. Et je vais même en mettre une sur l'hélio parce que ça va le gêner. Si je lui mets moins 3 PM, il va clairement être gêné. Putain, il a 16 PA lui, ça va pas rigoler. Hein. Allez hop là, on lui met moins 2 PM. Ça peut être vraiment gênant hein, pour l'hélio. Hein. Moins 2 PM, ça peut vraiment le faire chier. Et en même temps, ça tape un petit peu. Bon, même si là, c'est pas ce qu'on recherche de taper. C'était vraiment pour le gêner, parce que j'ai l'impression qu'on est plutôt parti sur le focus cra. Faut vraiment que ma team ne fasse plus jamais de zone, puisqu'on est contre un cra retrait. Et s'il n'y a pas de zone, en vrai, il n'y a pas trop de problème. Enfin, disons qu'il n'y en a qu'un seul qui va prendre le retrait PA, c'est beaucoup moins gênant que deux, quoi. Et en plus, ça fait mal en vrai, hein. Il a tapé assez fort le crash, je crois. Hein. Bon, après, il est boosté par un ennemi, donc forcément, ça aide. Hein. Quand t'es boosté par un ennemi, la vie, elle est plus belle quand même. Et il va taper en brut. Bon, c'est pas très propre de la part d'Héliotrope, sans qu'il avait quand même. Il avait. Après, ça va quand même. Ouais, il avait 16 PA, quoi. Je me dis, un tour avec 16 PA, tu peux pas faire plus de dégâts, c'est pas ouf. Mais il était un petit peu gêné, justement, par ma flèche empoisonnée. Hein. C'est à ça que ça servait. Parce que s'il avait 2 PM en plus, je pense qu'il aurait fait un meilleur tour. Donc bon, là, l'Ossa, faut qu'il fasse gaffe. Il a que 4 PA, il peut quasiment rien faire. C'est vraiment le placement de mes deux alliés, tu vois, il a coûté cher. C'est pas forcément leur faute, hein. Peut-être qu'ils n'avaient pas le choix de se placer là, je t'avoue, j'ai même pas fait gaffe, mais ça fait chier. C'est pour ça que le placement est super important. Si vous pensez à tout, essayez de ne pas faire des zones et des trucs comme ça, quoi. Bon, là, ça faut qu'il joue, hein. Même si t'as que 4 PA, frérot, faut faire un truc. Il va balancer une petite invocation. Ah, tu vois, il est encore en zone. Bon, normalement, c'est pas grave, parce que le sacré va jouer et du coup, ils vont casser la zone, mais il faut faire gaffe. Je sais pas pourquoi ils veulent à tout prix bloquer les portails, ça c'est un truc, c'est pas très utile, ça le gêne un petit peu, mais tu perds beaucoup de PA pour ça, je sais pas si c'est rentable là pour le coup de. Surtout qu'il y a un portail juste avant, donc je sais pas si c'est incroyable. Bon bref, pourquoi pas. Le dragon qui soigne un petit peu. L'Eniripsa qui va. Il va venir taper, je pense, Lenny. Hein. Lenny il va aller taper, hein. Il peut se le permettre. Hein. Comment on peut gagner? Bah il abuse pas, on a une bonne compo. Bon, c'est vrai que l'Eniripsa c'est solide, mais. Il va aller soigner son petit cra. Là, le sacré, il peut complètement aller sur le cra. Hein. Ah, quoique, il va encore se prendre du retrait. Bon, ça, c'est un peu. Je sais pas très bien joué, je trouve, de mettre un mot de silence. De toute façon, le mec, il avait déjà que 7 PA. Là, ils ont claqué tous leurs sorts pour. De toute façon, il allait déjà rien faire, en fait, tu vois. Là, faut qu'il. Je vais leur dire, faites pas de zone. Hein. Ok, ils sacrifient. Pas mal, en vrai. C'est un peu risqué, mais il faut surtout pas faire de zone. Donc moi j'ai ma pupu. On va essayer de la caler sur le cra. Si j'ai pas le cra, c'est pas grave, on la mettra sur quelqu'un d'autre, on la mettra sur Lenny ou l'Hélio. Le mieux c'est le cra, parce que c'est vraiment le plus fragile. C'est pour le sacrifice. Ouais, je sais, non mais je te parlais du sacrifice, il fallait pas qu'il fasse 2 zones. Bref. Alors, le cra, est-ce qu'on pourra le choper? Faut déjà essayer de voir est-ce qu'on pourra le choper ou pas. Si on peut pas le choper, c'est pas la fin du monde, hein, même si ce serait mieux. On ira sur quelqu'un d'autre, parce que là il a 1000 de shield. Ah, mais non, il a vraiment un prév. Ok, c'est relou ça pour nous. Ça fait pas nos affaires tout ça. Bon, on trouvera une solution. On trouvera une solution pour aller choper le cra. En tout cas, l'eau, ça va. Enfin, le sacré du coup va prendre des dégâts. Ok, bah, son placement est pas incroyable. Je sais pas si j'ai la portée quand même, hein. Faut pas abuser. 20 PO. 1, 2, 3, 4, 9, 10. Ouais, je crois que j'ai assez, hein. Je crois avoir assez de portée. J'ai assez de portée, donc on va aller taper tout simplement un full tour. Sur ce cra qui va faire très mal. J'ai assez de portée, il n'y a pas de problème, on a une ligne de vue, on se fait plaisir. Pourquoi pas bloquer ce portail pour le coup, vu que l'Ossa a fait l'effort de bloquer l'autre. Bon, c'est pas obligatoire, mais si ça gêne un peu l'Hélio, c'est bénef. L'Hélio qui va faire assez mal. Hein. D'ailleurs, je sais pas s'il va rester sur le sacré ou s'il va partir sur moi. Parce que le cra a plus que 1000 points de vie, il faudrait que ce soit l'Ossa qui le termine. Parce que sinon, Lenny va le soigner. Donc là, tranquille, on met le tour 3. Voilà, l'Hélio va partir sur moi. Donc je vais prendre très cher, mais ça, bon. On peut pas vraiment l'éviter et à un moment il faut bien que je prenne les dégâts et puis limite en fait mourir maintenant c'est pas forcément si grave si ça nous permet de prendre le kill tu vois.
Parce que si l'Ossa tue, si derrière le Nirebsa ne tue pas, on a gagné. Il faut vraiment se poser les bonnes questions quand vous jouez. Est-ce qu'un move est rentable là? Est-ce que m'exposer c'est rentable? Si on tue le Kras, c'est complètement rentable. Si on ne le tuait pas, ça aurait été pas ouf. Mais là, normalement, l'Ossa il tue tous les jours. Et du coup, bah, on a pris cher, certes. Mais on gagne le combat sur ce move, on gagne le combat sur le gros tour qu'a fait, je sais pas combien de dégâts il a fait, hein, 1300, là on a mis 2500 dégâts, sachant qu'il y a encore les poisons derrière. Hein. C'est ça qui est fort avec votre mode, c'est que là on a mis 2500, mais si le mec rejoue, imaginons, il se prenait un Ébène-Terre et une empoisonnée qui aurait fait super mal. Donc là voilà, là c'est parfait, le Sacré a bien joué aussi parce qu'il a taclé les nids. Autant le placement tour 1 de ma team était pas ouf, autant après ils ont bien géré. Le Sacré, l'épée sacrifiée et tout, c'était pas mal. Et comme je disais, le mot de silence de Lenny était mal joué. Pourquoi? Parce que le mot de silence de Lenny, il aurait été beaucoup mieux maintenant. Tu vois, il y avait une zone surtout, il y avait trois entités. Alors que derrière, il a mis un mot de silence sur que le Sacri. Après, est-ce que ça change grand-chose? De toute façon, si on tue le Kras, ça change rien. Mais en théorie, en fait, sur Eniripsa, bon, on fait pas un tuto Eni, mais bon, sur Eniripsa, faut prendre des zones avec le silence, quoi. C'est un peu la base. Bon là les gars, on va arriver tour 4. Tour 4, ça veut dire quoi? Ça veut dire tour bas nébuleux. Tour bas nébuleux, on cherche, comme je disais, du contrôle, on cherche du boost, on cherche du retrait. On cherche pas forcément des dégâts. Après, s'il y a besoin de tuer un mec et que vous êtes en bas nébuleux, vous allez le tuer, hein. Vous allez pas faire exprès de pas taper. Mais en tout cas, la priorité, s'il n'y a pas vraiment de mec à kill, c'est vraiment comme je disais, ouais, du boost, quoi. Le lapin vient de sauver la représailles sur son hélio, c'est complètement honteux. Parce que là, j'allais représailles l'hélio gratuitement, le lapin se fout devant, c'est honteux. Du coup, je vais devoir bah, me décaler vers le bas, ou chez... Putain, c'est incroyable, le lapin, l'impact qu'il a, la nofake, c'est incroyable. Parce que là, j'avais même pas besoin de bouger représailles, là, je vais devoir faire des trucs bizarres pour pouvoir représailles, c'est incroyable. Le lapin est le MVP de leur équipe pour l'instant en face. Hein. Et là, le sacri fait très mal. Bon, c'est un sacri, ça c'est Fumax, on a l'habitude. Hein. Voilà. C'est bien joué d'avoir décalé parce que moi je peux taper dans le portail ici, il me semble. Voilà, donc ça, bon, à la limite, j'ai même pas envie de représailles vu que je peux taper dans le portail, honnêtement. Parce que là, on peut peut-être tuer les nids en fait. On va tuer les nids même, je pense. Et puis même, je peux peut-être faire. Ah, le truc me gêne. Ouais, le totem me gêne. Quoique, si je vais par là. Ah merde, je suis trop près. Bon, moi c'est my bad. Je voulais tenter un flèche complice, mais c'est pas grave. Franchement, c'est pas grave. On voit une erreur. En gros, je voulais mettre ma flèche de complice dans le portail sur mon sacri. Mais vous voyez que j'étais trop près en fait. J'avais pas vu la paix au minimum qui était de 5 et j'étais trop proche. C'est pas grave. Donc là, bon, en soi, en vrai, j'ai tapé parce qu'on peut peut-être tuer Lenny. Ok, c'est pas grave. Là, vous voyez, je me suicide. Donc je vais mourir, mais ça va permettre de tuer. Ma team va pouvoir tuer Lenny. Je pense que l'Ossa fait le kill facilement en fait. Du coup, c'est rentable. La représailles aurait été bien aussi. Franchement, les deux étaient possibles là pour le coup. La représailles, en fait, j'ai pas envie de représailles parce qu'il y a ce putain de lapin qui s'est mis devant. Du coup, ça m'a ruiné et c'était super chiant d'aller représailles avec ce lapin. Mais là, c'est pas grave parce que normalement, l'Ossa il fait le kill. S'il fait pas le kill, j'avoue, c'est chiant. Mais je pense qu'il fait le kill avec le crapaud qui est piqûre, qui fait très très mal. Et du coup, faut pas hésiter à suicide, ça vous permet de gagner un combat, on s'en fout, hein. Ok, vous êtes mort, mais si derrière tu gagnes, qu'est-ce que tu t'en fous d'être mort? Là, tu vois, c'est exactement ça. Alors certes, j'ai pas fait un tour très propre parce que j'ai raté ma flèche complice dans le portail, mais franchement, ça change quasiment rien. La flèche complice, elle a quand même fait mal. Ça a fait ouais, c'était quasiment autant d'ailleurs. Hein. Et voilà, normalement, l'Ossa prend largement le kill, très largement, puisque le petit crapaud là va taper 3 fois. Donc je pense qu'il a même, 300 de marge environ là, le crapaud. Ouais, c'est environ ça, il a 200 de marge quoi. Voilà. Donc on est mort assez vite dans le combat, mais est-ce que c'est grave? Non, puisqu'on a fait notre taf. Même là, comme je le répète, mais en soi, s'il n'y avait pas ce putain de lapin de merde, j'aurais dû représailler les lions. Et comme ça, les lions ne m'auraient pas tué normalement. Ça aurait été encore plus propre, mais franchement, je me suis fait int par un lapin, ça n'a aucun sens. Mais c'est pas grave, hein, le combat est gagné, c'est le principal. Ma team a bien géré. Et le combat, c'est bien, il n'était pas si facile. Franchement, c'était pas une si free win que ça, parce qu'on avait une bonne compo, mais eux aussi, franchement, Eni Helio, c'est très solide. L'Héliotrope, on avait vu, l'Héliotrope était très dangereux, il avait 15 PA tous les tours quasiment, il était boosté et tout, c'était super chaud. Mais ça se passe bien. Et là, on a été utile dans le combat, hein, parce qu'on pourrait croire qu'on s'est fait carry ou quoi, non, pas du tout. Si on prend le first kill sur le Kras, c'est grâce à nous, grâce à notre gros tour 3 qu'on met sur le Kras, c'est nous qui avons tapé le plus fort en premier. Et ça, dans Dofus, c'est important de taper le plus fort vite. C'est une méta un peu débile, hein. La méta de Dofus, c'est taper fort, taper vite, tu vois. Le meme de Bob l'éponge préhistorique, là, je sais pas si tu vois, bah, c'est un peu ça, quoi. C'est mieux taper vite. En 3v3, c'est comme ça. En 1v1, c'est pas exactement ça. Mais en 3v3, c'est vraiment, il faut taper fast. Very fast. Et là, c'est nous qui avons tapé en premier le gros tour. Et du coup, c'est comme ça qu'on gagne le combat, puisque le crâne n'a pas rejoué son tour 3, si je dis pas de bêtises. Et c'est ça qui fait gagner le combat. Après, on aurait peut-être gagné, même si je tuais pas le crâne ou quoi, tu vois, j'en sais rien. Mais là, en tout cas, ça a fait le taf.
C'est bien joué de la part de Losa de taper à travers le portail. Donc voilà, on a vu que 4 tours, mais 4 tours, on a fait le taf. Le tour 1, on a mis notre empoisonné, notre pupu sur le focus. Le tour 2, on s'est boosté avec les deux sorts. Le tour 3, on a mis notre gros tour de burst avec la punitive et les barrages. Quoi. Après, si vous êtes plus proche du mec, mettez un coup d'arc chaleuil, ça fait super mal l'arc chaleuil. Et tour 4, bon, tour 4, c'est un peu un tour un peu hors série là, parce que j'ai tapé, mais en soi, j'aurais dû représailles et taper un peu Lenny. Mais au final, c'est pas grave hein, d'avoir tapé Lenny, ça nous a permis de le tuer. Et si ça se trouve, si j'avais représailles, ça se trouve, on n'aurait pas tué Lenny, tu vois. Donc ça passe bien, le combat était rapide, tant mieux. Parce que je suis content qu'en faire un 1v1 pour montrer encore des petits trucs. Donc voilà, voilà pour le 3v3. Rappelez-vous vraiment de ça si vous jouez en nébuleux. Mais en vrai, même si vous n'avez pas de nébuleux, si vous jouez cratère en tout cas, c'est vrai que c'est un gameplay un peu particulier au cratère, mais cratère, c'est vraiment tour 1, la pupu, vous essayez de mettre l'empoisonné. Tour 2, on se booste, on essaye de mettre l'œil de taupe, les flèches écrasantes, la représaille si possible. Tour 3, gros tour de burst, vraiment, on met le coup d'arc, la pupu, la flèche érosive si on peut. Et après, ainsi de suite, c'est comme ça tous les deux tours. Après, tour 4, c'est pareil, tour 5, on remet le burst. Tour 6, on remet du contrôle. Tour 7, on remet le burst. C'est vraiment... c'est comme ça. Après, il y a un truc très important à savoir sur Kras, c'est les lignes de vue. Mais bon, ça, je ne vais pas vous faire un tuto ligne de vue. Les lignes de vue, c'est de la symétrie, quoi. C'est... rapidement, je vais vous montrer un exemple, mais... c'est pas un très bon exemple sur cette map. Quoique là, c'est pas mal. Là, on a les lignes de vue. Bon, c'est un peu chiant, les cases vertes, là. Mais en gros, c'est de la symétrie. Tu vois, là, je suis sur une case de quelle couleur? Une case de couleur blanche. C'est important, les couleurs, en vrai. Donc là, j'ai une ligne de vue ici. Bon, enfin, je sais pas comment vous dire, mais attends, on va faire t'éloigner. Mais en gros, je sais que j'ai une ligne de vue ici. Donc si je répète le même schéma, j'aurai la ligne de vue ici. Ensuite, j'aurai ici. Et ensuite, j'aurai là. Mais là, il y a le mur, donc t'as compris. Là, c'est pareil, si je vais une case plus loin. Et tu répètes le schéma. C'est mal expliqué, mais il n'y a pas des mecs qui ont fait des tutos ligne de vue comme ça. Je vous envoie vers ce lien. Je sais pas taper tuto LDV. Ce que faudrait, en fait, c'est assez complexe, mais en gros, c'est de la symétrie. Et comme je vous l'avais dit, petit truc et astuce, n'oubliez pas de cliquer sur vos sorts pour voir les prévisus de ligne de vue et tout. Comme ça, vous pouvez un petit peu anticiper les bails. Mais sur Kras, en tout cas, c'est un truc important. C'est clair que si vous jouez Yop, les lignes de vue, vous en battez les couilles. Hein. Mais sur Kras, c'est pour ça que c'est pas la classe la plus facile à jouer, honnêtement, parce que les lignes de vue, c'est un truc que il n'y a pas tout le monde qui maîtrise à la perfection. Même très, il y a quasiment personne qui maîtrise les lignes de vue à la perfection, franchement, sur le jeu. Et c'est super important. Je vous montrerai peut-être, si j'y pense, des exemples de lignes de vue qui sont vraiment très chimiques. Et qui peut vraiment, franchement, un crap peut carrer un combat sur une ligne de vue chimique. Hein. Ça a déjà existé plein de fois et c'est vrai quoi. Bon, on se retrouve pour un petit 1v1 histoire de terminer ce tuto. Enfin, ça va être très long, mais c'est pas grave. La vidéo va durer 40 minutes, c'est pas grave, ça sera complet. Enfin, c'est un tuto en même temps, voilà, c'est histoire de donner des petits trucs et astuces parce que c'est un peu compliqué de faire un tuto sur une classe. Enfin, il y a moyen de jouer la classe de plein de manières différentes. Et puis moi, je vous donne des trucs et astuces, mais tu peux jouer cratère d'une manière différente et tout. Enfin, voilà, c'est. Je n'ai pas non plus la connaissance absolue du jeu, mais en tout cas, je sais que ce mode-là, comme je vous le montre, il marche très bien. Cette façon de jouer-là marche très très bien. Parti pour un petit 1v1, on est contre un upper. Bon, c'est pas la meilleure map pour un cra, mais c'est pas très grave, justement, ça permettra de voir un petit peu. Donc là, j'ai décidé de mettre acuité absolue et écrasante, pour essayer de peut-être mettre l'état apesanteur de temps en temps pour éviter une traversée. Et l'acuité absolue sur cette map, elle est tellement petite, et elle est pas ouf pour cra. L'acuité absolue peut nous mettre bien. On a ligne moyenne, regardez s'il a des Dofus. Non, il n'y a pas d'argenté scintillant. C'est un upper terre. Très bien. Bon, là, je peux pas vraiment choper en ligne de vue. Si j'avais tiré éloigné, j'aurais pu avec balise. Mais c'est pas grave, on va juste mettre notre spell dans le vide, pardon. Et derrière, pas grand chose à faire. Je peux charger un ébène sur une carotte. La carotte, on va la mettre là. Je vais même pas charger mon ébène deux fois parce que. Ça sert à rien en fait, parce qu'après, quand vous arrivez tour 3, le mieux c'est pas d'être en état 5, c'est d'être en état 4. Comme ça, vous mettez un sort pour déloc l'ivoire et après la pupu sur l'état 5. Et souvent, le sort qui déloc l'ivoire, c'est pas un sort terre justement. Donc, si vous êtes en état 5, vous allez mettre une flèche d'imo dans l'état 5 et ça mettra le mauvais ébène. C'est pour ça que là, je me mets qu'en état 2 et pas en état 3. Bon, si vous avez pas d'ébène, vous en battez les couilles de ce que je viens de dire, mais si vous en avez un, c'est important. Bon, c'est un upper terre, il me semble. Il va charger son ébène. Alors lui, par contre, je sais pas pourquoi il prend qu'une charge. Hein. Lui, il aurait dû en prendre deux. Hein. Ça, c'est mal joué. Là, on va se booster. Hop. Enfin, quoi qu'il a un nébuleux, donc peut-être qu'il fait cop. Ouais, non, c'est pas vraiment le cas. Ok, donc là, on se booste au calme. Je peux le mettre dans l'état pesanteur, mais est-ce que c'est très utile? Je pense pas. J'ai déjà la maîtrise. Là, j'ai pas grand-chose à faire. Hein. Il a un bobo élève, donc si je fais une flèche harcelante, non, ça me met l'état 4. Je crois qu'on va vraiment passer tout. Hein. C'est pas grave. Hein. Lui, je peux mettre des sorts dans le vide parce que je suis en tutu, mais on va faire notre meilleur passe-tour. C'est pas grave. Là, franchement, faut pas s'exposer pour rien.
On est en bas nébuleux et tout. Je pouvais le mettre l'été apesanteur, mais est-ce que c'est très important maintenant? Bof. Son bouclier élémentaire va être relou, mais il faut voir le bon côté des choses, ça veut dire qu'il n'a pas le gardien. Et le gardien, il aurait été, je pense, en fait, plus chiant que le bouclier. Puisque il y a un élémentaire, il nous aurait taclé et tout. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de mettre notre pupu et de mettre l'empoisonné. Normalement, même la pupu et l'empoisonné, on la met tour 1, mais là, il n'y avait pas de ligne de vue sur cette map-là, c'était compliqué. Là, a priori, dans tous les cas, on pourra le choper, hein, quoi qu'il arrive, je vois pas trop comment il pourrait faire. Il nous retire 2 PM, ok, c'est pas mal, après, est-ce que c'est si grave que ça? Je ne pense pas. Là, on a une bonne diagonale. Alors, il nous manque 2 cases. J'ai pas envie de claquer la QT absolue pour ça, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va claquer la balise. On va claquer la balise ici. J'espère que j'ai la portée, par contre, faut que je fasse gaffe. Ouais, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller pour la portée. On a 13. Donc normalement, normalement j'ai assez, il n'y a pas de problème. Donc là, on va faire flèche d'immo, flèche empoisonnée, pupu, c'est ce que je disais. Et du coup, on déloque son ivoire avec un sort haut. Donc si j'avais eu les, si j'avais chargé mon ébène 2 fois, là j'aurais mis la flèche d'immo sur l'ébène, donc c'était pas bon. Et là, vous voyez, on met des très bons dégâts. Là, on met des très bons dégâts. Juste avec ça, la pupu, elle n'a pas tapé très fort, mais les poisons, moins 1000. Tout simplement. Et en plus, on a retiré beaucoup de PM. On lui a mis moins 2, et je crois qu'on lui a mis moins 1 avant avec la flèche d'Imo, un truc du genre. Donc il nous fait assez mal, mais regardez, il a déjà plus de PM, donc c'est-à-dire qu'il va finir en ligne de vue, j'ai l'impression. Il va se soigner un petit peu, rien de très grave, tout va bien. Là, on peut lui mettre l'état pesanteur, par contre, là, c'est pas mal. Là, c'est pas trop mal l'état pesanteur, et on va continuer de retirer des PM, je pense. Quitte à relancer une flèche empoisonnée. Alors, il a déjà le sort, mais là, c'est vraiment pour le retrait PM que je le mets. Voilà, moins 3. Là, il a 1 PM. Hein. Là, c'est vraiment pas mal. Là, si vous voyez que les mecs n'ont pas trop d'esquive PM et tout, n'hésitez pas à abuser de ça. Hein. Là, on le va repousser encore. Et là, il est pesanteur et il a 1 PM. Donc, c'est-à-dire qu'il va pas bouger. Pas bouger à la niche. Et il se prend encore des gros poisons. Des gros dégâts de poison. Donc là, on est bien. Il n'y a pas trop de problèmes. On a l'acuité absolue au cas où le mec se protège des lignes de vue. Là, c'est sûrement ce qui va se faire. Voilà, on va acuiter tout simplement. Et puis on va caler notre pupu tranquillement. Et encore une fois, la même chose. Là, je vais être état 4. Du coup, je vais déloc l'ivoire avec un sort haut, par exemple, qui va me mettre en état 5 et ce sera bon. Tout est parfait. Alors après, il y a même peut-être une ligne de vue sombre, mais... Ouais, ça m'étonnerait. Hein. La ligne de vue sombre... Ah, il doit y avoir moyen de faire un truc là. Je crois qu'il manque une case, ça serait par là. On s'en fout, je crois qu'on va tester vite fait par là. Ah bah si, voilà, j'ai ici. Donc il n'y a pas besoin d'acuité. C'est bien ce qui me semblait. Allez, parfait. Flèche d'immo. On va mettre la grosse, mais il est quasiment mort. Hein. La grosse pupu là, pour ça fait trop mal. On va remettre une empoisonnée encore pour le retrait et un barrage. Il est quasiment mort avec les poisons, les gars. Il est peut-être même mort avec les poisons. Parce qu'il faut pas sous-coter. Ouais, 2 points de vie. 2 points de vie. En fait, j'aurais pas dû re-empoisonner. Du coup, il était mort puisque. Bon, il passe tour. Puisque si j'avais pas empoisonné, il avait déjà l'empoisonné. J'aurais pu mettre un spell à 3-4 PA. Là, en fait, l'empoisonné que j'ai mis, c'était pour le retrait PM que j'ai mis. Mais là, c'est un outplay total. Hein. Est-ce qu'on a une ligne de vue ici? Je pense pas. Bon, on va faire une flèche harcelante. Je sais pas si j'ai la portée. Si, je crois que j'ai assez. Je sais pas si ça tape du 2. C'est bon, on tape du 2. On tape du 3. Ça passe, vous voyez que c'était propre. Hein. C'est pas le combat le plus dur que j'ai eu à faire de ma vie, mais c'est parfait pour montrer un petit peu le gameplay cra, comment faut jouer dans les matchs. Même si là, c'est un combat bien précis, donc vous n'aurez pas que des combats comme ça, évidemment. Hein. Vous avez des fois joué contre d'autres classes, hein, c'est logique, mais bon. C'est un bon exemple. Vraiment, faut pas se précipiter, faut pas s'exposer pour rien. N'oubliez pas, la clé pour être vraiment chaud, c'est le placement aussi. Hein. Comment vous vous placez, essayez d'anticiper les trucs. Toujours avoir un tour d'avance sur l'ennemi, tu vois, savoir ce qu'il va faire et tout. Et là, c'était assez propre. Ouais, on a fait le taf avec nos dégâts de poison et tout, et ça s'est très bien passé. Hein. Voilà, pour ces espèces de tutos, ces petits trucs et astuces sur le CRA. Je rappelle, hein, bon, c'est un peu tard de rappeler maintenant, c'est la fin de la vidéo, mais. Si vous êtes un gros tryharder, je pense pas que la vidéo soit faite pour vous, puisque vous devez déjà tout connaître, ce genre de truc. Enfin, peut-être pas tout, mais la plupart. Donc, vous n'aurez pas dû apprendre grand-chose. C'est vraiment fait pour les débutants, ou les gens qui n'ont pas joué à Dofus depuis un moment, peut-être, ou les joueurs casu qui jouent en mode fun, qui veulent un peu progresser, n'importe. Mais voilà. Et puis, même s'il y en a qui tryhardent et tout, il y a eu quand même 2 combats, donc ça peut vous intéresser aussi, en vrai. Voilà, j'espère que j'oublie rien. À mon avis, j'oublie des trucs, mais bon, je peux pas penser à tout. Là, j'ai surtout montré pour le cratère, mais je peux pas faire une vidéo pour tous les éléments parce que ça prendrait vraiment trop de temps. Enfin, c'est pas possible. Mais en gros, la base reste la même. Quel que soit l'élément, c'est un peu la même chose si tu joues en nébuleux et tout, d'ailleurs. D'ailleurs, ce combat-là, j'ai même pas eu besoin de représailles parce qu'on est resté loin de lui tout le combat. Mais si le mec s'était approché, j'aurais représailles direct, tu vois. Représailles, c'est vraiment le sort qui va te permettre de reprendre la distance derrière. Il s'approche de toi. Toi, tu veux la distance, que tu as un cra logique, surtout en 1v1, bah hop, tu représailles, tu reprends la distance. Voilà.
N'oubliez pas de laisser un maximum de likes. Si vous avez bien aimé cette vidéo-là, dites-le dans les commentaires, mettez des likes et tout, comme ça je pourrais faire la même vidéo pour d'autres classes. Pour Heliotrope, enfin pour toutes les classes en fait. Hein. Bon, il y a peut-être des classes où c'est pas trop utile, hein. J'aurais une Eripsa, mais en vrai, même sur une Eripsa, il y a des trucs et astuces qu'il faut connaître. Là d'ailleurs, j'ai peut-être pas dit tous les trucs et astuces d'Ekra, il y a des trucs qu'il faut savoir que j'ai dû oublier, mais je peux pas penser à tout honnêtement. Mais je pense avoir dit quand même une bonne partie, et puis même. C'était une petite vidéo tranquille quoi. Allez, si vous avez des questions du coup sur l'écran ou quoi, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, je pourrais peut-être vous aider. Et puis même les viewers pourront vous s'entraider aussi évidemment dans les commentaires. S'il y en a qui sont peut-être un peu expérimentés en cry, ils pourront aider les autres dans les commentaires, etc. etc. Bye bye.